Yo tout le monde, c'est Horizon, j'espère que vous allez bien, normalement par ça me fait nickel. Aujourd'hui les amis, je sais que ça change de contenu, mais aujourd'hui on est sur Roblox, Blockfruit. Voilà, donc ça change beaucoup de contenu, comme vous savez, je suis... principalement, je fais du Minecraft. Vous pouvez voir que je joue depuis ce matin, je suis déjà niveau 368. Vraiment, le tryhard à fond. Donc, le tryhard, on peut voir qu'il a bien fonctionné. Donc les amis, comme vous l'avez vu dans cette vidéo, je vais vous montrer comment XP très très rapidement. Montrer des petites techniques et qu'est-ce qu'il fait. Donc voilà les amis, je vais vous montrer des techniques comment XP très très rapidement. Déjà les gars, vous allez devoir aller sur google.com. Alors codes, ça c'est les codes Blockfruit, ou bien vous pouvez voir... Voilà, c'est sur le site gamewave.fr/roblox. En vrai, je mettrai le lien dans la description, je vais pas vous faire chier avec ça. Donc, laissez-moi juste faire ça comme ça. Comme ça, j'oublie pas. Voilà, donc, il y a tous les codes actifs de Blockfruit. Je vous conseille vraiment de commencer par lui, qui vous donne 90 minutes de 2x d'expérience. Vraiment les gars, je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui n'ont pas utilisé ces codes. Mais attendez les gars, restez jusqu'à la fin de la vidéo parce que j'ai d'autres techniques qui vous aideront à XP très 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 rapidement. Ok, donc voilà, 90 minutes de 2 expériences x2. Donc c'est vraiment nickel, hein, comme vous pouvez le voir. Vous prenez le code, je vais vous montrer la preuve que ça fonctionne. Moi je l'ai déjà utilisé, donc ça doit mettre un message que le code a déjà été utilisé. Voilà, already redeem, si je veux manger en français. Voilà, et que je le mets déjà redeem. Ok, il y a un problème. Bien sûr, cette vidéo n'est pas vraiment faite pour les pros. Hein, parce que ceux qui sont au niveau 2400, je pense que vous avez déjà utilisé les codes, vous. Ou bien, bah, c'est trop tard, en fait. Donc, cette vidéo est vraiment pour les débutants qui sont peut-être, allez, on va dire maximum niveau 1500. Les codes, ils fonctionnent très très bien. Je vous conseille de les utiliser avec des boss. Ça fonctionne très très bien. Vraiment, c'est la meilleure chose à faire. C'est, en fait, que vous prenez un petit défi qui donne quand même beaucoup... Oh, putain, il est fort. Qui vous donne quand même beaucoup d'XP. Et vous y allez avec ça. Ok, il est vraiment trop fort. Wesh. Dites-moi les gars, dans les commentaires, si vous avez déjà battu le magma, le sergent amiral. Bah non, le sergent magma, je veux dire, désolé. Ok, non, il est vraiment trop fort. Il faut vraiment que je fasse très très attention. Ok, c'est... Waouh. Bon les gars, c'est bientôt fini. On va bientôt le buter. Let's go, let's go, let's go. Oh, alors là par contre le coup qu'on s'est pris, on va pas en parler. Wesh. Le coup qu'on s'est pris par contre. Ok, nickel. Donc, ah ouais, quand même, 8000 de bounty. Donc on a avancé de niveau. Comme vous pouvez le voir, on a avancé de niveau. C'est vraiment nickel, mais avec un x2, sachez que vous avancez de minimum, un grand minimum de 2 niveaux. La plupart du temps, vraiment moi, peut-être que j'ai déjà avancé de 6 niveaux grâce au boost x2. Donc c'est vraiment très cheaté. Donc c'est, ouais, c'est vraiment très très cheaté, je trouve. Donc juste avant les amis, qu'on passe à la prochaine technique pour farmer de l'XP, juste vous annoncer un petit truc les amis, je fais un giveaway juste exceptionnel. Regardez les amis, si on va dans la boutique, l'une des meilleures épées, c'est la lame des ténèbres. Bon, il y en a beaucoup qui la veulent, je sais très très bien. Moi les gars, je l'ai pas. Ok, mais c'est tout simplement parce que j'en ai pas besoin. Je trouve que j'ai pas envie de l'avoir. Mais si y en a qui en veulent, les amis, je ne rigole pas, ok. Donc, vous allez... Ah putain, ta mère. Donc, vous devez être abonné et regarder la vidéo jusqu'à la fin pour avoir toutes les instructions du giveaway. Et bien sûr, les amis, ça me soutiendrait vraiment que vous lâchiez un pouce bleu et que vous vous abonnez. Bon, alors, let's go, les gars. Je vais pas vous retarder avec ceci. On va passer, les amis, à la prochaine étape. Donc, là, les gars, c'est une technique, en fait, qui paraît un petit peu normale, mais que presque personne utilise. Alors, comme vous savez, dans les îles, il y a des petits mobs comme ça, ok. Donc, déjà les amis, je vous conseille de manger le Dark Fruit. Je rappelle que le Dark Fruit vous rend invincible aux petites cibles. Donc, exemple, aux soldats militaires, qui sont au niveau 300 d'ailleurs, qui vont très très mal, regardez. Voilà, ils font quand même très très mal. Et bien, avec le Dark, Fruit qui coûte juste 500 000, c'est vraiment très très facile à voir, et bien, vous êtes littéralement invincible, mais je rappelle que vous n'êtes pas invincible au boss.
Donc, voilà, je vous conseille de prendre un petit Darkfoot et de le bouffer. Et là les gars, une autre technique que presque personne ne connaît. Si vous l'utilisez les gars, vous avez vraiment 202 IQ. C'est que voilà, vous prenez en fait toutes les petits mobs, si je peux appeler ça comme ça. Donc voilà, ils vous suivent. Et en fait, pendant ce temps-là qu'ils vous suivent, vous allez en chercher d'autres. Vous allez en chercher au maximum. Par contre là j'ai un petit problème, c'est que j'ai pas activé la quête, laissez-moi un petit moment. On va l'activer, vite, ah, on va se faire buter. Ah bah non en fait. Donc voilà, on va attendre qu'ils s'en viennent. Je pense qu'il y en a vraiment plus. Ouais, je pense qu'il y en a vraiment plus que ça. Ouais, il y en a vraiment plus. Donc voilà, vous allez attendre qu'ils s'en viennent tous. Vous allez juste les spammer en fait. Voilà, donc vous allez... Attendez. Je pense que là, on a un petit peu raté le tutoriel là. Donc, venez s'il vous plaît. Viens mon ref. Voilà, viens. Donc les autres ils sont là-bas, voilà, on va vraiment essayer d'en emmener au maximum. Et de, en même temps, si on peut les buter, ça serait vraiment insane. Voilà, on les bute. En attendant, les autres ils vont respawn. C'est vraiment très très simple à faire. Et si vous n'utilisez pas cette technique, les amis, vous allez vraiment tomber sur la vidéo parfaite. Parce que c'est vraiment la meilleure technique. Ok, comme on peut le voir, un petit coffre comme ça, voilà, juste par là on va le prendre. Donc il y a un autre military soldier, on va le prendre. On va attendre qu'il y en a d'autres qui spawnent. Est-ce qu'il y en a d'autres? Oui, il y en a d'autres. On va prendre lui et on se casse. On va prendre les autres. Vous voyez, c'est vraiment très très rapide, simple et surtout efficace. Ça fonctionne très très bien, je trouve. Bon, eux, on va les finir. Oh là là, comment j'ai raté ça par contre? Waouh, la honte! Voilà, on par contre. Wow, wesh. Et là, elle fait vraiment mal. Voilà. Donc voilà, on se fait vraiment beaucoup d'XP avec ça. Voilà, là, trop d'XP. On a avancé de deux niveaux, les gars. C'est juste insane. Avec un défi de merde. Donc voilà, les gars. Vous voyez, on peut faire vraiment beaucoup d'XP. Et attendez, laisse-moi récupérer ces petits coffres. Bon, les gars, là, on va se guetter un petit pirate. Oh là là, il est... Allez, waouh, let's go. Gagner 1300 primes. Waouh. Ok, moi je dis les gars qu'on se casse parce que là... Wesh. On a eu un chapeau. Waouh. Tu peux pas équiper cet objet lorsque tu es en combat. Ah bah je viens te le mettre et... Oh, on est dans la merde les gars, on est dans la merde. Bon, je me tire. Oh putain. Donc voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. C'était une vidéo tuto assez simple. Vraiment les gars, je vais faire d'autres tutos pour vous montrer comment avoir beaucoup d'argent. Et surtout beaucoup de bounty. Comme vous pouvez le voir juste ici, j'ai 291 000. Bien sûr, pour ne rien manquer, n'hésitez pas de vous abonner. Mais juste avant les amis, je vous ai promis que j'allais faire un giveaway. Donc en fait, pour rentrer dans ce giveaway, c'est très très simple, vous avez juste à drop un petit commentaire avec votre pseudo. Mais attendez, vous devez bien sûr être abonné. Et bien sûr, n'hésitez pas de lâcher un petit pouce bleu, ça fait plaisir. Donc n'oubliez pas que le giveaway c'est sur, attendez, c'est sur la lame des ténèbres, qui est une arme mythique et qui coûte 1200 Robux.